Donc je voudrais tout simplement manifester toute ma gratitude, toute ma reconnaissance et toute ma fierté à l'endroit de la direction du CROUS, du personnel technique, administratif et des services du CROUS, à l'endroit des ouvriers, mais à l'endroit aussi des étudiants. Je pense que nous sommes arrivés à terme de notre mandat, ce qui coïncide avec la fin de la quinzaine de l'entretien. Cette année-ci, nous avons fait une quinzaine exceptionnelle, une quinzaine que je dirais la limite parfaite, dans le sens où il n'y a pas de frustration, dans le sens où il n'y a pas de mécontentement de la part des étudiants. Parce que de part et d'autre, on reçoit des remerciements, des félicitations de la part des étudiants. Donc, nous remercions et nous félicitons le CROUS pour leur dévouement, pour leur accompagnement, pour leur compréhension. Parce qu'il est très difficile de collaborer avec des délégués en raison de leur fougue, en raison du langage parfois, ou de l'écart de langage. Mais c'est parce que vous faites preuve de hauteur, de responsabilité, de compréhension à notre endroit. C'est la raison pour laquelle on a su collaborer sainement. Donc, cette année-ci, franchement, il y a beaucoup d'innovations, comme les 200 bancs publics, 8 bancs publics pour chaque village, 40 bancs publics pour chaque campus. Je ne saurais oublier aussi la satisfaction de la vieille doléance, à savoir la question de l'eau avec une conduite autonome. C'est que beaucoup de bureaux ont échoué, ce qu'on a aujourd'hui réussi grâce à la compréhension et à la collaboration du CROUS. Je ne saurais oublier la réfection entière de la dalle du restaurant numéro 1, qui fait partie également des vieilles doléances, avec un nouveau matériel de cuisine, le central d'eau glacée. Je ne saurais oublier également votre accompagnement par rapport à nos initiatives ou œuvres sociales, les cérémonies de solidarité. Mais retenez que nous partons avec un sentiment de contentement et de fierté. Nous ne comptons pas revenir parce que nous avons réalisé tout notre programme, à l'exception de la réfection de la voirie. Donc nous allons accompagner une autre équipe et nous espérons qu'elle sera à la hauteur pour répondre aux attentes de la communauté étudiante.